Eh bien, bonjour. Bonjour Loïc, bonjour à tous. Rendez-vous en marchant en bord de Marne avec Fabien Rel qui est là derrière, le grand là, et puis Dominique Saut. Dominique qui vient exprès de Toulouse. Hein, de Toulouse, le à grand Paris. Sud. Voilà. On a retrouvé le soleil, on a le soleil dans l'œil, c'est magnifique. Vive le Pérou. Bon, Dominique, toi, tu viens de la finance originellement, et puis t'aimes bien les modèles de business rentables, et t'aimes bien accompagner les gens, notamment ceux qui sont en transition professionnelle, qui cherchent des nouvelles voies, comme par exemple Fabien qui était pompier et qui maintenant est entrepreneur. Tu aimes bien les accompagner. Carrément. Alors, quels seraient les trois conseils ou suggestions que tu donnes à des gens qui veulent soit s'orienter quand ils sont jeunes, soit de se réorienter? Écoute, ce qui est passionnant, c'est qu'on vit une époque où, comme on dit, le succès laisse des traces. Donc la première idée, c'est de vous intéresser à des modèles économiques qui marchent déjà. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de réinventer la roue tout le temps. Le but, c'est de se dire, déjà, moi, je dois me tester. Est-ce que je suis capable de générer des revenus avec Internet ou ailleurs? Et du coup, si je vais dans des environnements où ça marche pour d'autres, alors j'ai plus qu'à appliquer déjà ce qui marche pour eux. Donc choisissez des sujets, bon partenaire, le bon partenaire, le bon modèle économique. Soyez curieux, comme dirait Fabien. Exactement. Okay. D'accord, donc faites quelque chose qui marche déjà, ne réinventez pas la poudre. Oui. Premier conseil. Deuxième conseil. Deuxième conseil, c'est travailler votre personal branding le plus tôt possible. Ne devenez pas, on va dire, l'homme sandwich de votre entreprise, de votre produit, de votre organisation. Il y a quelque chose avec qui vous allez vivre toute votre vie, c'est votre nom. Donc votre image de marque compte. Et à partir de là, partagez vos valeurs, partagez les choses avec votre communauté sur les réseaux sociaux, de manière à ce que les gens puissent comprendre en fait vos réorientations, vos choix. Donc voilà, la marque personnelle, ça devrait être quelque chose aujourd'hui que tout le monde cultive, c'est vital. Et c'est là qu'on rejoint d'ailleurs le social selling, LinkedIn, carrément, dont on parle souvent au Social Selling Forum. Oui. Très bien Dominique, et le troisième conseil, le plus important peut-être? Peut-être passer à l'action immédiatement. Ah bah oui. Moi je vois des gens qui suivent le Social Selling Forum, mais dans une logique d'apprentissage, on a toujours peur, il nous manque toujours un truc. En fait non, ça c'est une question d'état d'esprit. L'action forme, mais la formation n'agit pas. Donc allez vous confronter aux résultats, n'ayez pas peur de l'échec, développez peut-être une culture plus pragmatique et anglo-saxonne de dire je fonce, j'apprends et je suis meilleur le coup d'après. Donc testez, même si vous n'avez pas toutes les informations, mais jetez-vous, c'est vraiment maintenant que ça se passe. On a une fenêtre de tir incroyable avec la fin de la crise Covid et le début d'un nouveau paradigme économique. Ouais, ne visez pas la perfection. Just do it, hein. Absolument. Faites. C'est ça. Ça, je suis alors à 100% dans cet esprit-là, moi, personnellement. Mais oui. Il vaut mieux faire que de réfléchir et de jamais rien faire, quoi, en fait. Ok. C'est ça. Mais c'est super. Merci, Dominique. Alors, on va vous remontrer Dominique Saut qui va vous aider à faire un saut quantique, hein. C'est Saut, S-A-U-T, sur LinkedIn. Ouais. Et puis, il y a Fabien Rel, l'ex-pompier, hein, qui maintenant est entrepreneur, aux côtés d'ailleurs de Dominique. Voilà, c'est plein de choses. Toujours au service des gens. Toujours au service des gens. Merci à vous deux, à bientôt. Bye bye. Regardez, c'est la Marne là. C'est beau. Attends, la Marne. Oh bah, on les voit derrière moi en fait. Voilà, comme ça. Bye.